Bah oui. Bonjour, alléluia, chers téléspectateurs de la télévision, alléluia, monde TV Web. Soyez les bienvenus encore une fois dans votre émission hebdomadaire Direct Culte, une émission qui est d'ailleurs animée presque durant toute la semaine. Dans l'émission Direct et culte, nous parlons des événements des paroisses, des événements sur les différentes paroisses le dimanche de la semaine écoulée. Voilà, et aujourd'hui, notre Direct et culte, nous avons eu beaucoup de directs ici, à Alléluia Monde TV. Aujourd'hui, nous vous présentons ici le culte d'action de grâce placé sous le signe de l'union de la paroisse Saint-Pierre d'Akepe, dimanche 17 juillet 2022 passé. Oui, lors de ce culte, grande chose était passée. Nous avons eu plusieurs interventions, dont l'intervention des femmes chrétiennes célestes du Togo, Association des femmes chrétiennes célestes du Togo, AFECTO, oui, présentée par la maman Ozu de la paroisse Les Béatitudes de Tokwentame. Nous allons aussi encore suivre dans cette émission directe culte d'aujourd'hui. Nous allons aussi suivre l'interview de notre révérend pasteur Paul Bello Adetola, le chef de l'église du christianisme céleste du Togo. Oui, sans oublier encore le remerciement du chargé paroissial, le vénérable suprême évangéliste Rumbassé Salomon. Merci encore une fois, sans plus tarder. Nous vous laissons ici l'antenne de suivre quelques mots lors de ce culte. Ici, vous avez votre humble serviteur de tous les jours, Corneille Vofogavon. D'ici là, portez-vous bien. Eh bien, suivez plutôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Alléluia Monde TV sur YouTube, sur Facebook et sur d'autres réseaux dans les jours à venir. Merci beaucoup et bye bye. Alléluia, cher papa.
Cher papa, alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, présentez-vous. Alléluia, mon TV. Monsieur le révérend pasteur Paul Adetola Bélou. Aujourd'hui, vous avez assisté à l'action de grâce de la paroisse Saint-Pierre d'Akepe. Ouais. Quelle appréciation vous avez à donner à cette paroisse? D'abord, je félicite le chargé paroissial. C'est l'exemple que tous les chargés paroissiaux du Togo doivent faire. Si on te donne de l'argent pour travailler, il faut le faire, il faut poser des actes concrets. Je suis content parce que la paroisse est belle, comme le chargé est beau. Pour aujourd'hui, c'est l'unité et l'unité de l'Église. Papa, merci beaucoup. Merci. Et bonne fête à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Merci. Téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde. Aujourd'hui, nous sommes sur la paroisse Saint-Pierre, la sainte cité de la sagesse d'Akepe. Et aujourd'hui, c'est le 17 juillet 2022. Nous avons fêté aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une grande ambiance. D'ailleurs, nous sommes avec le chargé, le responsable de cette paroisse. Chargé, Alléluia. Alléluia, mon cher frère. S'il vous plaît, veuillez vous présenter. Je me nomme Ambassadeur Salomon. Le chargé de la paroisse Saint-Pierre, cité de la sagesse à Akepe. Aujourd'hui, vous avez célébré une action de grâce sur cette paroisse. Dites-nous un peu comment vous avez pu préparer cette grande fête. C'est une fête qui se prépare depuis des mois. Parce que pour donner une reconnaissance à Dieu, pas une action de grâce, il faut chercher à donner une repose bien formée. Il faut chercher à donner à l'Éternel de bonnes choses. Donc, depuis des mois, les fidèles cotisent l'argent. Nous nous préparons, même pour la construction du temple Kusala, on se prépare de gauche à droite par tous les moyens pour, et on est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, à notre grande surprise, nous avons vu presque toutes les tendances de l'église du christianisme céleste. Comment vous avez pu réussir à cette invitation, à ces invitations? Ah, l'œuvre de Dieu, ce que l'homme voit difficile, avec Dieu c'est très facile. Je me suis dirigé vers eux avec soumission, humblement. Et je leur ai parlé de mon intention, mon envie pour l'église. Et ils sont très contents. Eux aussi sont sur la même voie. Et c'est pour ça qu'ils se sont déplacés aujourd'hui. Parce que c'est aussi leur objectif pour l'église au Togo. Donc, si nous comprenons bien, l'objectif est devenu. L'objectif est commun. Oui. Merci beaucoup, cher papa. Aujourd'hui, vous avez rassemblé bon nombre de personnes ici. Quel mot de fin vous avez à l'endroit de ces fidèles, de ces invités venus de part dans le monde entier? D'ailleurs, nous soulevons ici la grande délégation de l'États-Unis, la grande délégation venue de la Côte d'Ivoire, la grande délégation du Saint-Siège Porto Novo et la grande délégation du siège international d'Imeco. Papa, quel mot vous avez à l'endroit de ces invités? Et la délégation du Ghana aussi. Et la délégation du Ghana. Merci beaucoup, papa. Non, moi je les remercie beaucoup parce que il n'a pas de disponibilité pour tout un chacun de nous. Mais ils ont disposé leur temps, oui, laissé leurs occupations pour venir ici ensemble pour célébrer Dieu par une action de grâce.
Donc je leur dis merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait et que Dieu les accompagne sain et sauf dans leur demeure, dans leur pays respectif et que Dieu les bénisse. Amen. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère les sangs, Jésus, contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arrivés.